Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Ah, j'ai fait une bêtise, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Désolée. Et voilà. Et pourtant, je reviens de vacances, je devrais être en pleine forme et je commence déjà mes boulettes. Non mais qu'est-ce que c'est que ce travail? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé ces 15 derniers jours aussi bien que vous le souhaitiez. Comme vous avez pu le constater, je vous avais laissé un petit peu, on va dire, de côté pour les lives, puisque je suis partie 15 jours en vacances avec ma famille. Alors vous inquiétez pas, vous avez été plusieurs à me contacter pendant mes vacances en me disant « Oh excuse-moi, t'es en vacances, je le savais pas ». C'était volontaire, je n'avais rien mis sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Pour différentes raisons, mais aussi la principale raison, c'est que je n'avais pas envie que tout le monde sache que ma maison était vide. Vu le nombre de marabouts qu'on scoltine à chaque live, voilà, il fallait être prudente. En tout cas, moi, je suis en super forme. Alors, comme je vous le dis toujours, j'ai une patate d'enfer. Mais alors là, 15 jours de vacances où il n'a pas plu, où il y a eu du soleil, où on a pu faire tout ce qu'on voulait faire, où j'ai visité plein de choses, j'ai découvert plein de choses et du coup, j'ai des milliards d'idées à vous proposer et à vous montrer. Et puis, 15 jours sans scraper, vous imaginez pas comme quoi mes doigts, ils démangent, ils me démangent, ils me démangent. Alors, j'ai qu'une envie, c'est de scraper avec vous dans notre bulle créative du mercredi matin. Alors, pour commencer, déjà, je vais vous souhaiter la bienvenue à toutes, mais aussi à celles qui, peut-être que c'est la première fois vous êtes là, alors je peux pas toutes vous énumérer parce que j'aurais trop peur d'en oublier une, mais je vois qu'il y a déjà beaucoup de monde ce matin et c'est top et je vous remercie pour votre fidélité. Hier, j'étais avec l'une d'entre vous par téléphone et elle me disait « Ah Fanny, tu sais, tu parles souvent de backstage, onstage, des événements Stampin' Up, mais je sais pas trop ce que c'est. » Alors, j'ai profité, j'ai retrouvé grâce à Caroline, une de mes filleules, une vidéo qui retrace bien un événement Stampin' Up et du coup, je vous l'ai partagée ce matin à 9h. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de la regarder, je vous invite vraiment à la regarder parce que c'est vraiment une vidéo qui peut vous, comment dire, vous transmettre tout ce que, voilà. Bon, ça y est, on a déjà un monsieur en quête d'amour. Non, merci, j'ai ce qu'il faut à la maison. Donc voilà, surtout en ce moment, pourquoi je vous en parle de ces événements? Parce que d'une part, moi, je vais participer à un événement. Alors certes, de chez moi, vu le contexte sanitaire, ce week-end, c'est backstage. Alors backstage, c'est réservé aux démonstratrices qui sont argent, élite et plus. Donc en gros, qui ont au moins 5 filleules. Et je suis impatiente d'y participer. D'ailleurs, je devrais recevoir aujourd'hui une box cadeau que j'attends avec impatience. Donc, je guette au-dessus de ma fenêtre là-bas le livreur UPS. Voilà, donc ça, c'était une chose qui était importante. Et d'ailleurs, je remercie Sylvie de m'avoir rappelé que certaines fois, et surtout, n'hésitez pas hein, à me couper ou à me poser des questions quand vous ne comprenez pas certains mots, certains langages qui sont pour moi maintenant devenus mon vocabulaire courant, mais peut-être que pour vous, c'est quelque chose que vous ne connaissez pas encore et je serais ravie, ravie de vous tout vous expliquer, soit en message privé, soit par téléphone, parce que je suis une pipelette. Voili, voili. Alors, vous savez que je suis démonstratrice Stampin' Up depuis pratiquement 10 ans. Et depuis septembre, donc ça va pratiquement faire un an, dans une semaine ça fera un an où je fais ça à temps plein. Et j'en suis ravie, je suis contente de mon choix qui a été compliqué, qui a été, voilà, j'ai réfléchi beaucoup, j'ai pesé le pour, le contre, hein, voilà. Et je suis ravie parce que je suis épanouie, je suis contente. Et je crois que pour la première fois, j'étais contente de rentrer de vacances pour pouvoir vous retrouver. C'est un truc de dingue quand même, hein. Pouvoir vivre de sa passion, avoir un métier qui vous plaît et qui, voilà, qui vous fait lever le matin, c'est trop trop bien. Alors, il y en a quelqu'un qui nous vend un kit de fertilité. Désolé, ce n'est pas pour moi non plus. J'ai passé mon tour. J'ai déjà deux garçons bien grands. D'ailleurs, vous avez vu, il y en a un qui vous a fait un petit coucou lundi à la fin du live.
Et puis mon troisième bébé, comme je l'appelle, c'est mon... On pourrait peut-être... Mon entreprise, ma... Comment dire? Mon business autour de Stampin' Up. Et puis, j'ai pas que deux enfants, j'en ai plein. J'ai même des tatas, des tontons, tout ça, puisque Stampin' Up, c'est aussi une grande famille. Bisous à toutes celles qui arrivent, c'est trop bien. Je vois qu'il y a aussi une de mes filleules qui arrive. D'ailleurs, pour mes filleules et peut-être les futures filleules, notez dans votre agenda le dimanche 10 octobre, rencontre de lignée. Si les conditions sanitaires nous le permettent, on se retrouvera pour une journée de folie. Voilà. Pour toutes celles qui ont envie, la porte est grande ouverte. Et puis, pour celles qui ne veulent pas être démonstratrices, parce que je respecte aussi vos choix, comme je le dis souvent, je propose et vous disposez, vous pouvez aussi réserver votre samedi 9 octobre, puisque je vais vous proposer des ateliers style crop, puisque j'ai la chance d'avoir la salle sur les 2 jours, donc voilà. Oui, j'ai eu du soleil, alors pas autant que les autres années. Mais c'est très bien pour ma peau, donc j'ai bronzé un petit peu, mais pas trop. J'ai pas rougi avec ma peau de rouquine. Et puis on a fait plein de choses, donc c'était très très bien. Et je me suis reposée, c'était trop bien. Aurore, tu ne pourras pas donner les mesures parce que tu vas à la plage. Eh ben non, tu ne vas pas à la plage. Alors aujourd'hui, pour ce projet retour de vacances, vous l'avez vu pendant le live de ma porte ouverte. Moi, c'était pas une porte ouverte à proprement parler. J'avais fait ça, ce que j'ai appelé un after work. Une petite vidéo pendant une heure et demie. Je sais plus combien de temps on a discuté pour vous présenter les catalogues, mais pour vous présenter mes productions que j'avais faites. Et puis ce matin, j'ai réfléchi quel... Non, pas ce matin... Lundi, j'ai réfléchi quel projet je pouvais vous faire et pour ce matin, je vous propose un projet qui est rapide, simple à faire et qui utilise principalement des produits gratuits puisqu'on va utiliser, je vais vous montrer ça, essentiellement le papier design Pingouin et ses amis qui est gratuit pour 60 euros d'achat. D'accord? On va utiliser le papier design. Du papier uni, je vais vous laisser choisir la couleur. Le massicot, une paire de ciseaux, la colle et des petites mousses 3D. Voilà. Et donc c'est volontairement que j'ai utilisé que ça, puisque je sais, et je m'en suis rendu compte aussi pendant mes vacances, que quand on veut scraper, des fois il faut sortir beaucoup de choses. Et donc là, ça va être un projet où vous n'avez pas besoin de grand-chose. Et je trouve ça pratique. Après... Pour celles qui n'aiment pas détourer, alors, désolée, mais moi j'adore ça, vous pourrez aussi accessoiriser avec le lot de tampons et la perfo coordonnées si vous le souhaitez. D'accord? Et si on pousse le bouchon un petit peu loin, comme dirait Maurice dans son bocal, c'était ça, hein? Oui, c'est ça Maurice. Si vous prenez le set de tampons, la perfo, de la colle, et puis admettons le massicot, 60 euros et du coup le papier en cadeau. Je dis ça, je dis rien. Donc voili voilou. Bien évidemment, je vous ai préparé le tutoriel qui est là. Et d'ailleurs, voilà, je ne vous l'ai même pas mis sur le grand écran. C'est pas grave. C'est ça le retour de vacances. Il faut que je reprenne le rythme et de mes petites habitudes de travail. mais vous l'aurez dès demain sur mon site www. FannyScrapStampin.fr avec le rappel de la vidéo YouTube, le tuto, et puis il y a une petite nouveauté que vous allez découvrir dès demain. Je vous ai dit que je suis revenue de vacances, j'ai une patate d'enfer, j'ai plein d'idées, dont cette prochaine idée. Voilà. Avant de commencer, pour celles qui n'étaient pas là lundi, j'ai une idée qui me trotte, qui est bientôt, on va dire, en mode finition. Et je vais vous proposer un petit sondage parce que j'ai besoin de votre avis et surtout voir un petit peu combien de personnes seraient intéressées par ce nouveau projet. Alors, ce nouveau projet, mince, il n'y est plus là. C'est pas grave, c'est est-ce que vous seriez intéressé par un calendrier de l'Avent garni par mes soins. Ah, j'écris mal, excusez-moi. Pour
49 €. Alors, attendez, je suis désolée, mais je pensais que j'allais récupérer mon sondage de lundi, mais non. Alors, c'est pas grave. Alors, je vous fais le sondage juste pour ça, pour estimer un petit peu le nombre de personnes intéressées. D'accord? Donc, je l'enregistre et normalement, je vais pouvoir le voir ici. Activer le sondage. J'espère que ça va fonctionner. Je suis désolée de ce petit contretemps. Oui, pour Noël, Marie-Jocelyne. Alors, ça n'a pas l'air. Ah oui, c'est bon, ça marche. Voilà. Donc, effectivement, j'ai une idée donc, qui me trotte dans la tête depuis Noël dernier, mais je n'avais pas eu le temps de la mettre en place. L'idée, c'est de vous proposer une boîte où dedans vous aurez 25 boîtes. 25 boîtes garnies de cadeaux scrapesques. Je ne vous en dis pas plus. Donc, il y aura 24 boîtes pour jusqu'à Noël, du 1 au 24. Et le 25, vous aurez un petit cadeau spécial. Donc voilà. Évidemment, je vais bientôt lancer les inscriptions. Vous le savez que ça demande beaucoup d'organisation et beaucoup de travail. Donc je vais vous demander de vous inscrire rapidement et très en avance. Pourquoi? Parce qu'après moi, il faut le temps de fabriquer les 25 boîtes pour chacune, les garnir, voilà, tout ça, la gestion en amont. Donc voilà, et voilà. Donc ça sera la fin des inscriptions le 30 septembre. Vous aurez un mois pour vous inscrire. Je vais bientôt vous mettre les inscriptions en route. D'accord? Voilà. Ça c'était un aparté. Maintenant, on se met à travailler parce que j'ai les doigts qui me démangent et j'ai qu'une envie, c'est de scraper avec vous. Ok, Dac? Allez, on est parti. Alors, nous, voici la petite carte, le petit projet qu'on va faire. Donc je l'ai appelée la carte double volée. Pourquoi? Parce que quand on glisse comme ceci, ça fait double volée. Tout simplement voilà le pourquoi du comment je l'ai appelé. Cette idée, c'est mon amie Jacinthe, ma copine canadienne, ma binôme même, j'irais, qui l'a faite sur le groupe avec une autre collection. J'ai modifié un petit peu parce qu'elle nous a donné toutes les mesures en pouces. Et donc, j'ai eu pitié de vous, comme on dit. C'est pas joli ce que je viens de dire. Mais je sais que certaines ne sont pas très à l'aise avec les pouces. Hein, Cécile? Donc, je l'ai faite en centimètres. Vous m'en voudrez pas? Allez, on y go. Alors, j'ai besoin de vous, les filles, parce que, voilà, moi, je l'ai fait en violet, comme ceci. Et pour ce matin, vous allez me dire quelle couleur vous préférez qu'on fasse. Et puis, je vais m'adapter. Donc, il y a béguin bleu, corail calypso, mysterious brune. Et Freddy en fleurs. Alors, quelle couleur vous préférez que je fasse la carte? Continuez aussi comment dire, à répondre au sondage, hein. C'est vraiment important pour moi. Alors, je vous rappelle que le sondage est anonyme, hein, donc si vous me mettez non, ça ne m'intéresse pas, ne pensez pas que je vais vous en vouloir parce que je ne sais pas qui a mis non. Hein, ok? Donc, les sondages, c'est ça aussi. Ça permet une certaine neutralité. Du coup, vous ne vous sentez pas obligé de faire les choses. Voilà. Alors, pour le moment, c'est béguin bleu qui. Ah non, corail. Béguin bleu. Alors, vous savez que béguin bleu, c'est quand même ma couleur préférée. Ah oui, je suis en pleine forme. Oui, Laurent, j'ai passé d'excellentes vacances. C'était trop bien. J'étais dans le Lot-et-Garonne, à côté de Marmande. Alors, j'ai beaucoup aimé la région. Et la seule chose que je n'ai pas aimée, c'est les moustiques. Parce que les moustiques m'ont adoré. Bon, ils ont préféré mon mari. Alors, du coup, je restais collée à mon mari. Parce que si mon mari était là, ils allaient vers mon mari. Mais quand même, on s'est fait manger. Bon, je crois que c'est béguin bleu qui gagne, hein. Vous voulez me faire plaisir, vous êtes adorable. Oh la chance, en Martinique, j'aimerais bien y aller, j'y suis jamais allée. Alors, quelle couleur? En bleu?
Moi, je suis désolée, mais la majorité dit béguin bleu. Hein. Donc voilà. Donc voilà. Allez, on est parti. On se lance. Béguin bleu. Alors, je vais reprendre mon tuto pour vous expliquer. Ça, je mettais de côté tout ça. Je vais prendre mon massicot. Et donc. Ouais, en ce moment, ouais, le confinement en Martinique, ouais. Après, si je suis confinée à côté de la plage, pourquoi pas, hein. Alors, ah oui, Angèle, t'es aussi du Lot-et-Garonne? Alors moi, j'étais exactement située du coin là-bas. J'étais à côté de Marmande, j'étais à Virazaille, exactement. Voilà. Allez, on commence. On va faire dans notre papier béguin bleu un rectangle de 14 cm sur 28. Je vous ai pas mis les dimensions. Ouais, il faut que je reprenne mes. Ah oui, c'est interdit la plage pendant le confinement. Ah ouais, donc non, t'as bien fait de rentrer. 14 par 28 cm. Et sur les 28 cm, on va faire un pli, des plis. Ah oui, je l'ai pas vu l'intrus, Martine. Merci. Est-ce que j'aurai le temps de le supprimer? Sinon, je le supprimerai après. Non, j'ai pas eu le temps. C'est pas grave. Encore un, hein? Oh là 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 là. Vous voyez pourquoi je ne marque pas quand je pars en vacances sur les réseaux sociaux? Alors, après, on va marquer un pli à 3, 8,5, 19,5 et 25. Puisque Aurore est partie à la plage, je n'ai pas ma secrétaire, donc je vous mets les dimensions. Elle va avoir un gage, hein, vous croyez? Alors, 3 cm, on reste concentré pour éviter les boulettes. 3. Après, 8,5. 19,5. Alors aujourd'hui, pour votre information, je prépare les envois pour les kits Star Academy du mois de septembre et je prépare l'envoi des kits numéro 7. Où effectivement, et l'atelier en ligne du kit numéro 7 se fera le samedi 4 septembre après-midi. Ça y est, j'ai les dates donc que je peux vous annoncer. Voilà. Donc on a bien une, deux, trois, quatre plis. OK? Alors je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc mon premier pli à 3, puis une 8,5, 19,5 et 25. Surtout, gardez vos chutes. Hein, puisqu'on va s'en servir pour faire la petite languette. Alors tout simplement, je vais plier une fois comme ça. Donc un pli montagne et un pli vallée. Et la même chose de l'autre côté. Et voici la forme de notre carte. Facile, hein? Vous avez vu? Par exemple, si vous en avez beaucoup à faire, c'est un moyen, on va dire rapide, si vous avez des faire-part, par exemple, ça peut être une carte qui est très rapide à faire et qui fait son petit effet, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi hein, ce que vous en pensez. Vous avez le droit de pas être d'accord avec moi. Hein. Alors après, je vais utiliser mon papier design. Alors, mon papier design. Qu'est-ce que je vais choisir? Alors là, vous avez vu, j'avais choisi les lignes et les petits sapins. Alors, comme j'ai une dominance de bleu, il va falloir que je regarde un petit peu comment je peux faire ça. Moi, j'aime bien celui-ci, ça peut faire très joli. Ah, ça peut être chouette, hein, le bleu là. Alors, est-ce que dans mes restes de chute, j'ai du bleu? Oui. Donc, première chose, première, on va utiliser ça et ça dans un premier temps. Ça y est, ma chaise, mon assistante chaise déborde et tout va tomber. Alors, ce qu'on va faire, c'est
Dans le papier design bleu, comme ceci, on va faire trois bandes et on va faire trois bandes de 2,6 sur 13,6. Donc, je vais faire 13,6 une première fois pour être sûr que j'ai la bonne dimension. Nickel. Et je vais faire, du coup, j'ai dit trois fois. Ah, je l'ai pas écrit. Ouh, la coquine! Voilà, alors attendez. Donc, dans le DSP, donc j'ai fait 3 fois 2,6 par 13,6 cm. Ça va, tout le monde suit? Oh, j'écris vraiment mal. Hein. Pouf, pouf. Une écriture de cochon. Donc, une première fois, hein. Deux. Alors moi je vais tricher parce que là j'ai ça devait être un échec de quelque chose et du coup j'ai un pli alors je vais l'enlever pour pas que j'aie mon pli au milieu donc 2,6 voilà. Donc j'ai bien mes trois bandes. Donc mes trois bandes, elles vont me servir une, deux et trois. OK? Maintenant, il faut que je trouve le papier qui va aller ici. Donc, il me faudra deux bandes. Et j'ai envie d'utiliser, bisous Nathalie, le papier comme ceci avec les petits points que j'aime bien. Donc, pareil, il nous faudra 13,6 et 5,1. Alors, je vais faire 11. Voilà, c'est pour éviter de gaspiller du papier. Hein. Donc, 13,6. Ah, je ne l'ai pas écrit. Hop là. Donc, 2 fois 5,1 fois 13,6 cm. Est-ce qu'il y a des copines qui le font en même temps? Est-ce que ça vous donne envie de le faire? Dites-moi tout, je veux tout savoir. J'adore ces lives où vous me dites ce que vous allez faire, comment vous voyez les choses. Comme si vous étiez autour de ma table et autour de moi pour scraper, comme si on était ensemble en fait. J'aime bien ça. J'adore. Mais je kiffe, comme diraient les Gens. Donc ça, c'est bon. Ça, j'ai. Ok. Donc je vais coller pour pas me tromper. Donc je vais mettre ça de côté pour le moment. Le massicot. Et donc je vais prendre là. Où je vais coller. Ah super Véronique, nickel. Tu me dis du coup Véronique si je vais trop vite. N'hésite surtout pas. Alors aussi, j'ai une chose que j'ai oublié de vous dire. Je suis hyper contente et hyper touchée par toutes vos cartes que j'ai reçues pour mon anniversaire. Je vais vous envoyer, ne vous inquiétez pas, un petit mot à chacune. Laissez-moi juste le temps de, comment dire, d'atterrir de mes vacances et de reprendre les choses. Et je vous prévois un petit live demain à 17 h pour qu'on puisse les ouvrir ensemble. J'espère que ça, ce genre de petit live aussi, ça vous plaît. Alors, j'ai juste ouvert les enveloppes. J'ai fait un peu ma curieuse, mais vite fait. J'ai pas pu résister quand je suis rentrée à la maison. Ça m'a motivée à rentrer d'ailleurs. Et puis, on les ouvrira ensemble. Je sais que j'ai aussi des petits cadeaux gourmands, je pense. Vous savez que je suis gourmande, alors voilà. Ah, on a encore un marabout, un invité mystère qui s'incruste. Cécile, toi, tu l'as fait en Freydia? Ok, pas de souci. Alors, surtout quand vous refaites mes projets, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'aime beaucoup me les envoyer un message privé. Et avec le hashtag, comme ça, je vous retrouve parce que comme vous êtes nombreuses à me suivre et sur les réseaux sociaux, des fois, ça va vite et je ne voudrais pas louper. Je m'en voudrais. Donc, voilà. Donc, on a déjà notre espèce de volet. Maintenant. Là, j'ai pris la décision de faire un carré, un rectangle plutôt, dans du papier blanc.
comme ceci, je vous remontre. Hein. Donc, du papier blanc, j'en avais sorti. Il est où? Bon, pourtant, j'avais dit que c'était pas beaucoup de matériel, mais je me suis laissée envahir sur ma chaise. Alors, le blanc, il va vous falloir un rectangle de 13,6. Je vais vous mettre les dimensions. 13,6 sur 10,6. Alors, hop. Donc, attention. J'ai dit blanc, 13,6 fois 10,6 cm. Que l'on va coller au fond, juste là. Voilà. Et on va venir coller notre troisième bande qu'on avait préfait pour mettre ici. Ça, c'est bon. Voilà, on a notre base de cartes. Il va encore nous falloir faire la décoration avec nos petits personnages, bien évidemment. Mais avant tout ça, on va faire le système de fermeture. Donc, on va utiliser la chute qui doit vous rester de votre papier uni. C'est pas grave, Isabelle, que tu sois en retard. Tu regarderas le début en replay, t'inquiète pas. Et donc, on va faire une bande de 3 cm. Donc, 3 sur 25,4. Alors, je vous l'écris. Donc là, c'est la bande. Donc, j'ai dit 25,4 sur 3 cm. Et sur la longueur des 25,4, on va marquer un pli à 3 et 14,2. D'accord? Donc, allez. Alors, vous voyez sur le tuto, vous l'aurez, c'est la bande qui est là. Hein. Donc 3 cm sur 25,4 avec un pli à 3 et un pli à 14,2. Ok, d'ac. Donc un pli à 3 cm. Alors moi les 3 cm, je préfère les faire de l'autre côté puisque comme ça, la longueur la plus longue, oui ça se dit, elle est bien. Ah bah surtout que là vous ne voyez pas. Elle est bien contre ma butée. Alors je sais que j'utilise mon massicot à l'envers. Mais je trouve ça plus pratique pour moi. Alors vous faites comme vous préférez. D'accord? L'important, c'est de bien vous caler pour bien respecter les angles. En fait, c'est peut-être parce que je suis vieille ou que je vois moins bien. Mais le fait d'avoir ici et contre la butée, je trouve que c'est plus pratique que longer les bras qui sont juste là. Mais ce n'est que mon avis personnel. Donc ça, c'est bon. Pour la déco de cette petite bande. Je vais réutiliser le papier bleu avec les petites lignes et je vais avoir besoin, je vais vous l'écrire. Alors, je vais l'écrire où? Ah, Fanny, t'as pris trop de place. Je vais l'écrire là, mais attention, c'est là. Hein. Donc, 2 fois 2,6 par 10,6 cm. Donc ça, c'est pour la bande. Tu suis plus Catherine, pourquoi? Où t'en es? Arrêtez. Dis-moi tout. Donc 2,6. Encore 2,6. Là. Et 10,6.
Voilà. Ça, c'est bon. Et normalement, on n'a plus besoin du Matico. Alors, Catherine, juste pour toi, regarde. J'ai collé donc les deux petites bandes là, plus les grandes. Attends, je vais reprendre sur mon modèle là, ça sera mieux. Là et là. Après, j'ai fait une bande de 25,4 sur 3, où j'ai fait un pli à 3 cm, puis à 14,2. Et mais nos petites bandes là qu'on a découpées, on va les coller sur notre languette. En fait, c'est la languette qui va entourer notre projet. On va coller comme ça. Une première fois, là. Alors, ces pingouins, ils sont pas trop, trop jolis. Je les adore. Alors, il y a les pingouins, mais il y a aussi les renards. Du coup, si vous n'êtes pas encore projeté dans Noël ou dans l'hiver, utilisez les renards. Les renards, ça fait aussi automne. Vous savez, c'est la grande mode aussi des renards sur les décos pour la rentrée scolaire, des choses comme ça. Alors, là, la petite astuce que je vais vous donner, c'est que comme il y a du volume, quand j'ai une languette qui va fermer, on va dire, mes cartes, je colle sur mon projet puisque comme il y a un petit peu de volume, au moins je suis sûre que ça va passer. Hein. Ça va déjà compter le volume de ma carte. Voilà. Maintenant, mon truc préféré, c'est quoi? C'est qu'il va falloir découper nos petits personnages pour décorer notre jolie carte. Alors, regardez, celui-ci, je vais pouvoir le sauver pour le découper. Voilà, celui-ci. Qu'est-ce que celui-ci? Peut-être pas cela. Je vais utiliser les autres feuilles, les autres chutes que j'ai. Alors, on va regarder ensemble. Alors, au-dessus. Oh, j'ai le nounours là qui est là. Alors, je sais qu'il m'en reste un petit peu là. Voilà. J'ai pas tout détouré, mais comme j'avais des chutes, parce que j'ai déjà fait plusieurs projets, je me l'étais mis de côté. Ça. Il y en a un autre que j'aime bien. Tout, 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 tout. Ah, ceux-là, je les aime bien. Ceux de cette page-là, ils sont jolis. Je vais les utiliser. Hop. Hop, hop, hop. L'ours, ouais, je l'aime bien. Je l'aime bien. Et puis, vous avez vu l'idée de reprendre l'idée de l'ours, en fait, aussi. C'est parce qu'il a une écharpe. L'écharpe, elle est bleue, mystérieuse brune. Et ça va bien rappeler la couleur de notre bande. Vous savez, hein, où je vous le rappelle, parce que je sais qu'il y a aussi toujours des nouvelles et des fois on entend et on ne retient pas, c'est que tous les papiers design que vous avez chez Stampin' Up, ils sont coordonnés à des papiers unis. Donc ça évite de faire des fautes de goût, mais ça permet aussi une super coordination et que vos projets soient toujours bien coordonnés au niveau des couleurs. D'accord? Je crois que je vais éternuer dans pas très longtemps. Je m'en excuse d'avance. Moi aussi, j'adore l'ours. Alors, je vous rappelle, hein, pour détourer, c'est votre papier qui tourne et pas votre ciseau. Vous avez vu, moi, mes mains, elles bougent pas. Hein. Mon ciseau non plus, pratiquement. J'ai mes avant-bras qui sont posés sur mon bureau. Ce qui permet de ne pas se faire mal dans les bras, dans les épaules, dans les poignets, puisqu'on est stable. Et je m'amuse à tourner mon papier. Alors là, le secret de tout ça, c'est un peu d'exercice, mais aussi des bons ciseaux, hein. Vous ne faites pas ça avec des ciseaux que vous avez piqués à vos enfants, hein. Voilà, donc là, je vais mettre. Pour celle-ci, je vais mettre qu'une. Que l'ours au milieu, je vais changer. Hop là.
Ok, merci Nicole, je vais retenir. Comme ça, pendant les lives, ça m'évitera d'éternuer. Donc, Nicole me donne, si j'ai envie d'éternuer, je frotte, frotter son palais avec sa langue. Ok, merci Nicole. Donc voilà. Et puis, là, vous avez vu, je m'étais sur celle-ci, je m'étais amusée à découper aussi en quinconce. Donc là, je vais faire un petit pingouin, parce que j'aime bien les pingouins. Mais je vais me laisser de la place pour mettre un petit renard parce que j'aime bien les renards aussi. Alors, je vais me prendre celui-ci. Et puis, parce que je vous l'ai montré, mais faut quand même que je vous prouve. Regardez, Stampin' Up, ils sont trop forts parce que la perfo pingouin, elle est coordonnée avec les papiers. Donc regardez, vous y allez là. Vous calez et j'ai mon pingouin. Eh, c'est pas trop bien ça. D'ailleurs, je vais voir. Je vais peut-être mettre cela et mettre le pingouin. Je vais voir. Je vais découper mon renard. Alors bien évidemment, vous pouvez rajouter un petit texte en tamponnant, mais je vais aussi de faire des cartes quand des fois, je sais pas si vous êtes comme moi, je fais des cartes en avance et je mets pas forcément le sentiment. Comme ça va me permettre d'adapter le sentiment au moment où je vais envoyer ma carte. J'adore envoyer des cartes, donc ça tombe bien. D'ailleurs, il faut que je fasse les petites cartes de remerciement pour toutes les filles qui ont commandé sur le mois d'août. J'ai fait les petites cartes pour joindre avec les kits Starac, les kits numéro 7. Je me suis éclatée. Hein. Je me suis éclatée. C'est pas grave, Martine. Je te fais des gros bisous. Hop là. Hop. Là, le petit renard. Donc, on va le mettre plutôt en bas parce que les renards, ça ne vole pas. Hein, pas que je sache. Bon, les pingouins non plus, mais je trouve que les pingouins volent plus que les renards. Hop. Et alors, en fait, j'hésite si je mets celui-ci. Non, je vais mettre celui-ci. Hop. Voilà. Nickel chrome. Là. Ça. Je vais leur faire mais délicatement. Mais ça, hop, ça passe crème. Mais en fait, je me pose la question si celui-ci. Je vais le détourer et je vais voir ce que ça donne. Comment ça peut faire? Alors, celui-ci, il y a plus de détails, donc il faut faire un petit peu plus attention. Alors moi, c'est le genre de choses que j'adore faire. Le soir devant la télé, parce que je ne sais pas rester sans rien faire devant la télé, sinon je m'endors. Vous allez tout savoir. Et donc je détourne. Et donc ce papier, alors le papier aussi avec les serres, il est nickel. Alors, il y a la perfo, certes, hein, mais on peut réaliser plein de choses avec ces papiers. Et le plus du plus, c'est qu'ils sont gratuits, hein, quand même. Hein. Certes, il faut se faire plaisir pour 60 euros d'achat. Mais c'est quand même très facile de trouver 60 euros d'achat dans le catalogue, surtout le nouveau catalogue. Hein. C'est juste une tuerie. Et on les a en cadeau. J'adore ces périodes de cadeaux, où il y a des cadeaux pour les clientes, mais aussi si vous avez envie de rejoindre l'aventure, puisque le kit de démarrage est à 129 euros. Donc vous payez 129 euros, mais vous pourrez choisir 175. Et un lot de tampons et dies que vous retrouvez page 19 du catalogue Celebration. Faut que je vous fasse un petit visuel aussi pour vous rendre compte que ça vaut hyper le coup. Hop là, et voilà mon petit pingouin. Et donc je me posais la question si mon petit pingouin, je pouvais pas le mettre en quinconce comme ça. Ouais, j'ai envie de faire comme ça. Alors, je vais là. Alors, je vais le mettre sur la patte de l'ours pour pouvoir bien caler où j'ai envie. Voilà, comme ça. Nickel! Oh, j'adore! J'adore, j'adore, j'adore.
Et vous, vous aimez? Dites-moi tout. Dites-moi tout, je veux tout savoir. Alors, vous avez vu, c'est un projet rapide à faire, simple à faire, que vous pouvez refaire en plein de quantités parce que voilà, et qui ne demande pas beaucoup de matériel, du coup pas grand-chose à sortir. Donc si vous n'avez pas beaucoup le temps pour scraper, vous avez vu, même en live, là j'ai réussi à le faire en une demi-heure en prenant mon temps. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour scraper, des fois on se dit, ah mais ouais, mais j'ai qu'une demi-heure, j'ai pas beaucoup de temps. Et ce projet, il est parfait, justement pour les. Je compatis à celles qui courent après le temps. Hein. Je cours encore après le temps, même si je devrais pas le dire, mais être démonstratrice comme je le souhaite le faire, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement et voilà. Et j'en suis contente, j'en suis ravie. Alors, je fais ma curieuse pour le calendrier de l'Avent. Super. Bah écoutez, je suis ravie que ce projet, vous êtes quand même nombreuses à avoir envie de ce projet du calendrier de l'Avent. Et donc, voilà. Alors, comme je l'ai dit lundi, dans ce calendrier de l'Avent, il y aura des surprises. Toutes les surprises dans les boîtes seront, on va dire, en rapport avec le scrap. D'accord? Il y aura des produits Stampin' Up. Il y aura des produits. Non, il faut que j'arrête. D'abord, je n'en dis pas plus. Mais sachez que ça sera vraiment un calendrier de l'Avent spécial pour scrappeuses. Voilà. Bon, bah en tout cas, je suis contente que cette carte de ce matin vous ait plu. J'ai hâte de voir vos interprétations, de voir les choses que vous allez faire avec. Ça va être trop, trop bien. Alors, dites-moi, puisqu'on a un petit peu de temps, puisqu'on a fait une carte où ça a été rapide, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si... Ah, scrapeuse gourmande? Ah, ça peut aussi s'associer, effectivement, Véronique. Je suis d'accord. Je suis d'accord. On a un petit peu de temps pour partager et comment dire de mieux se connaître. Donc n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des envies. Une fois que les kits Starac du mois de septembre et kit numéro 7 vont être expédiés, je vais lancer les inscriptions pour les prochains. D'accord? Pour celles qui ont loupé le coche, ne vous inquiétez pas. Vous pourrez faire la suite, reprendre. Voilà. Il n'y a aucun problème. De rien, Christine, avec plaisir. Je te fais plein de gros bisous. Cécile, t'as pas fini de découper. Prends ton temps. Hein. C'est important de prendre son temps. Les une couleur de août, je m'en occupe jeudi ou vendredi, Céline. Je fais pas tout en même temps, sinon j'ai peur de mélanger et de faire des bêtises. Déjà que j'ai tendance à faire des boulettes, mais je m'en occupe, j'ai reçu la commande. Alors je sais pas comment je pourrais vous. Mais en fait, j'ai plus de place sur ma table de salle à manger, c'est trop le bazar. Alors j'espère que. Non, je sais pas si ça marche. Regardez, j'en ai partout. Donc il faut que comment dire? Que je fasse des envois. Pour pouvoir libérer de la place pour refaire les autres. Voilà, Céline. Ah, Véronique, bah tu nous montreras ta carte finie. Hein. Je serai contente que tu nous la postes. D'accord? Va falloir que j'embauche. Hein. Ou alors que je prenne des actions chez Mondial Relais ou chez à la Poste. Alors Coralie, sûrement je vais proposer des boîtes comme l'année dernière pour le calendrier de l'Avent, mais elles ne seront pas garnies, hein, d'accord?
Après, il faut que je retrouve 25 idées de boîtes encore différentes de l'année dernière. Ouh là 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 là, ça va me donner du fil à retordre, mais je relève le défi. Faut que je réfléchisse aussi autour de quelle collection je vais pouvoir le faire. Faut que je réfléchisse à tout ça. Et ça me fait plaisir, Coralie, que tu. Je pense que si tu fais cette demande-là, c'est que tu as apprécié ceux de l'année dernière et c'est top. C'est top, c'est top. N'hésitez pas, hein, les filles, quand faites comme Coralie, hein, quand il y a des choses que vous avez beaucoup aimées. D'ailleurs, vous ne m'avez pas dit si vous aviez. Pardon. Excusez-moi, j'ai avalé ma salive de travers. Oh, pardon. Pardon. Ah non, ça y est, c'est passé. Oui, est-ce que vous avez fait la dictée d'album que je vous ai proposée sur les 15 derniers jours? Dites-moi. Alors, je sais peut-être que vous ne l'avez pas fait parce que vous étiez en vacances. N'hésitez pas, hein, vous pouvez le faire tout le temps. Il n'y a aucun souci. Et dites-moi surtout si ça vous a plu, si c'est quelque chose que vous voulez voir plus souvent, des projets sur du long cours. Nathalie, tu me mets la pression. voilà. Et puis, si aussi. Comment dire si vous aimez aussi le nouveau. Les petits challenges que je vous mets sur les combos de couleurs du vendredi soir. Vous savez, je vous fais un petit post où je vous propose de faire une carte ou un projet autour de trois couleurs différentes, mais qui s'associent ensemble, puisque j'utilise tout simplement. Pour vous donner ces idées-là, de comment dire. Ah, j'ai perdu le fil. Le color coach que nous fournit Stampin' Up. Hein. Tout simplement. Ah, bisous Karen, ça fait trop plaisir. Alors, en effet, je referai sûrement le projet des 25 boîtes différentes pour le calendrier de l'Avent, puisque. Vous êtes nombreuses à me le demander, mais le calendrier de l'Avent que je vous propose à 49 euros, c'est complètement différent. Hein. Le calendrier de l'Avent garni, on va dire, c'est que c'est pour vous, c'est pour vous faire un cadeau à vous, parce que vous le méritez, parce que certes, c'est bien de faire des cadeaux aux autres, mais c'est aussi bien de se faire un cadeau soi-même, et que la plupart du temps, c'est les calendriers de l'Avent en parfumerie. Comment dire, en confiserie, des choses comme ça, en gourmandise. Il y en a aussi des scrapesques, mais j'ai eu envie de vous faire plaisir et de vous offrir cette belle opportunité de vous faire plaisir 25 jours sur le mois de décembre. Pas mal, hein. Martine, où je peux trouver le pas à pas de l'album des vacances? Alors, l'album des vacances, en fait, j'ai publié à partir du samedi 7 août. Tous les soirs à 20h, une chose, comment dire, une action, oui, une action, je sais pas comment dire, oui, une chose à faire tous les soirs, donc tu peux le retrouver. Après, si vraiment c'est trop fastidieux à retrouver, Martine, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais vous faire un post spécial sur mon site internet, comme ça vous retrouverez tout. Ça sera peut-être plus simple pour vous, hein, de retrouver, pour celles qui étaient en vacances et qui n'ont pas pu le faire. Alors on se retrouve la semaine prochaine, lundi prochain pour notre habituel et rituel questions-réponses du lundi après-midi. Oui Christine, tu peux utiliser le papier design bien évidemment. Il n'y a aucun souci. Alors pour celles qui n'ont pas tous les papiers, si vous le souhaitez, c'est évidemment, je propose et vous disposez. Il me reste des nuanciers avec toutes les couleurs. Vous savez que j'avais fait au format 10, 10,5 sur 14,8. Donc si tu as besoin, j'en ai encore. Ok, Christine. J'aimerais savoir, tu as parlé du massicot. Le massicot, il est à 30. Ah, j'ai un doute. 30 euros. Et tu peux le trouver à la fin du catalogue. Alors, on va regarder ensemble. Je ne connais pas la page
par cœur. Page 151 de ton catalogue. Alors, si je tourne pas la caméra. Tu vas beaucoup moins voir. Il est ici. Et donc, il est au prix de 30 euros. Et je te conseille fortement de prendre la règle métrique qui est à 4,75 euros. Parce que quand tu le reçois, la réglette, elle est en pouces. Et le fait d'acheter la règle en plus, tu pourras l'avoir en centimètres. Ce qui va faciliter quand même ton scrap après, sauf si tu es très à l'aise avec les pouces. Voilà. Mais si tu as besoin, Jo, il n'y a pas de souci, tu m'envoies. On se contacte en message privé et puis je te guide ou on s'appelle, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, on se retrouve lundi prochain pour le question-réponse. Mercredi pour notre prochaine bulle créative. Et du coup, le samedi 4 septembre pour toutes celles qui ont pris l'atelier en ligne avec le kit numéro 7 où nous ferons un mini-album à accordéon autour de la collection Autour des murs. Je ne peux pas vous montrer le projet puisque c'est un secret. Et d'autant plus que je l'ai refait et que j'ai fait une boulette. Donc il faut que je le recommence encore une fois. Mais cette fois-ci, j'ai fait la boulette avant de le faire en live. C'est déjà pas mal. Voilà, voilou. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment auprès de moi. Moi, je suis toujours ravie de vous retrouver à chaque fois pendant les lives. Je ne sais pas trop combien on était. D'habitude, il y a belle-maman qui me dit, mais là, belle-maman, elle a dû oublier. Ça y est, elle est encore en mode vacances. Donc voilà. J'espère que vous avez passé un agréable moment auprès de moi et auprès des copines. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc n'oubliez pas hein, la période Celebration, un cadeau par tranche de 60 euros d'achat. Donc voilà. Wally Wallou! Allez, je vous fais des gros 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 bisous. Et je vous dis à bientôt. Et surtout, n'hésitez pas, la moindre question, la moindre interrogation, à me contacter. Je serai ravie. Allez, ciao, bye. Bisous, bisous. C'est fini. Sniff, sniff. À bientôt, les filles. Ciao, ciao. Les kits numéro 7, ils partent aujourd'hui ou demain, Ingrid. Tu n'as pas de catalogue, Jo? Bah, écoute, tu m'envoies ton adresse et je te l'envoie. D'accord? Ce sera avec plaisir. Bisous, Karen. Bisous à toutes. Bisous, Gisèle. Marie-Jocelyne. Bisous, Christine. Génial. J'adore. Merci pour tous vos bisous. J'adore. J'adore les bisous. Allez, ciao, bye. Surtout qu'on est un peu en manque hein, quand même encore de bisous. Allez, ciao, ciao. C'est fini. Non, j'arrive pas à finir en fait. Comment je vais pour finir? Allez, salut les filles. Ciao, ciao.